Welcome. Bonjour, Marie. Bonjour. Bienvenue, Marie. Se sentir accueilli par ce prénom. Quand on pénètre dans un endroit supposément anonyme, tel qu'un autobus, eh bien, ça a un effet de revalorisation narcissique tout à fait extraordinaire. On se sent reconnu dans son identité, dans son intégrité. Alors fermez les yeux et vous aussi tous ensemble, tout le monde lui ferme les yeux et qu'est-ce qu'on entend ? La musique. Ah ben oui, de la musique. Moi l'accent. La musique qui adoucit les murs. Les mœurs. Les mœurs. C'est pas possible cette musique, elle est trop relaxative. Je viens de lui dire que tout à l'heure, Monsieur Gordon, je vous pose la question, hein, que Transcom, il voulait réserver des quotas pour les minorités visibles. Ben, les personnes visiblement minoritaires. Minoritaires, ça dépend des quartiers. Je veux dire les personnes minoritairement visibles. Voilà, visibles, vous voyez ce que je veux dire, hein? Eh bien, les personnes issues. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on est tous au plus ou moins issus, non? Moi, personnellement, je m'appelle Michel Gomez. Il y a même aujourd'hui plus de personnes issues que les personnes invisibles, depuis longtemps, non? Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous asseoir à côté de ce Elle m'inspire confiance et on a envie de lui faire des câlins, donc j'ai envie de me rapprocher d'elle. Ok. Chacun d'entre nous aimerait engager la conversation avec son voisin de siège de façon courtoise et chaleureuse, mais la plupart du temps, eh bien, on est trop timide ou encore on n'a rien à se dire. C'est pourquoi Transcom va mettre en libre service des starters de conversation. Les gens sont bien habillés aujourd'hui, vous trouvez pas? Qu'est-ce que tu fais là? Je vois pas que tu es animée, madame. Qu'est-ce qu'il faisait, madame? Mal manier des sous. Et voilà, et ça c'est interdit. Allez. Ils n'ont qu'à faire ça chez eux, monsieur. Ils n'ont pas de chez eux. Précisément, ils n'ont pas de chez eux. Enfin. Oh, cool. Alors, prochaine station, bon rencontre. Nos amis les Verts, avancez, installez-vous les Verts. Cet accessoire urbain et malin, le foulard caméléon, qui sera bientôt en libre service à l'intérieur des bus sous vos sièges. Changer de vêtements pour s'adapter aux différents quartiers qui, on le sait très bien, correspondent à différentes classes sociales, eh bien, ce n'est pas la solution. Il faudrait pouvoir rester soi-même. La solution, c'est de ne porter aucun vêtement. Rien du tout, complètement nu. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Mais comment ça se déshabille? C'est monsieur, hein? Rappelez-vous, il y a des enfants quand même. D'accord, d'accord. This touching of Michel. Cette méthode, je l'ai développée pendant mes pauses, hein, au terminus, à ce moment que je vous parle. Je suis en train de travailler tout le rhomboïde. Donc, ça permet de rentabiliser tout ce temps mort qu'on passe dans les transports en commun. À tout à l'heure, nos amis verts. Et suivez votre tapette, hein. J'ai suivi ma tapette. Tu me regardes pas comme ça, ok, d'accord? Mais je t'emmerde et je te regarde. Mais c'est moi qui t'emmerde. Comment désamorcer à la base une situation d'agression, une situation de violence? En conservant son self-control, il suffit d'écouter les informations qui vous sont données par votre cerveau reptilien. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Voilà, je réponds à un message agressif par un message agréable. Essayez, Caroline. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Mais j'ai des yeux pour regarder qu'est-ce qui est beau, puis je te trouve mignon. Ce qu'a dit le dame, ça m'a complètement déstabilisé. Là. Du point de vue du ressenti de l'acteur, ça m'a déstabilisé. Mais c'est vrai que vous êtes mignon. C'est peut-être qu'on ne vous l'a pas suffisamment dit dans votre enfance. Mais ça va, chérie, si moi je regarde à côté et que je dis quelque chose de gentil à la personne, mais qu'elle faut quand même me taper, qu'est-ce que je peux faire? Attaquez-moi, Bob. Sale connasse! Non, physiquement. Physiquement. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui.
L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Je vous propose à présent de partir en voyage. Il s'agit d'un voyage à l'intérieur de vous-même. Détendez vos épaules, respirez profondément. D'abord, il faut s'entraîner sur une cible fixe. La chaleur du soleil. Voilà. Puis sur une cible moyenne, le type pigeon. Vivre ensemble, mais vivre intensément. Voilà. Cette ligne, elle relie les deux côtés de la ville. De ce côté, les habitants, ils sont au chômage et ils restent chez eux. De l'autre côté, les habitants ont un travail. Je les conduis tous les matins jusqu'à cet arrêt. Un jour, les jeunes d'ici auront un travail. Ils deviendront éducateurs, animateurs, profs de ZEP, assistantes sociales, formateurs et vendeurs de chaussures de sport. Comme ils n'auront plus besoin d'être aidés, les habitants de l'autre côté vont se retrouver au chômage. Et ça donnera du boulot aux gens d'ici. Les deux côtés de la ville s'inversent, et ainsi de suite, génération après génération. Seule la ligne de bus reste toujours la même. Elle relie les deux côtés de la ville.